Alors, nous revoici avec la dernière partie donc du tuto. Donc là, nous allons avoir besoin de trois languettes de 19,5 sur 3 cm, donc x 3, ce qui va nous servir en fait de reliure à nos pages. Donc là, je viens juste prendre la mesure de nos pages. Je viens donc avec la petite machine faire des trous au milieu des trois papiers. Et ensuite, je vais venir donc installer ces petites languettes au niveau des pages, vu que ce sont des pages pochettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en positionner une sans la coller. Et après, je vais mesurer, en gros, je laisse 0,5 entre la page de l'album et la reliure à anneaux. Voilà, donc une fois que j'ai positionné ça, je fais des petits points, vous allez voir, donc sur les trois papiers pour que ce soit identique. Et après, donc, je viens coller tout ça. Je mets de la colle donc des deux côtés du petit morceau de papier pour pouvoir que la page se colle bien des deux côtés de cette reliure. Donc là, on va pareil donc sur les deux autres pages. Donc choisissez du coup quel papier va être recto et l'autre verso pour pouvoir donc adapter les petites languettes, que ce soit mis donc du coup du bon côté. Donc là, on vérifie que ça soit bien identique. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir prendre du coup nos petits anneaux. Alors là, j'ai pris une page qui va faire 17,5 sur alors 17,5 de haut sur, il me semble, 20 cm de large. Et en fait, j'ai plié à 1 cm et j'ai fait les trous en une seule fois au même endroit. Donc une fois que ceci est fait, on va mettre donc les pages et cette dernière page vierge au niveau des anneaux. En fait, cette page-là va servir après à être collée au fond de notre album. Donc là, on vient appuyer avec notre machine pour pouvoir donc fermer ces anneaux. Alors, je suis allée à plusieurs reprises parce que je l'utilise quasiment pas, donc voilà, j'ai pas encore le coup de main pour pouvoir fermer tout ça. Donc là, on va passer à la déco. Donc comme vous voyez, les aimants sont mis de partout. Donc j'ai mis des gros aimants qui permettent en fait de pouvoir s'aimanter correctement avec les différents papiers. Donc voilà, donc là c'est juste au niveau déco extérieur et intérieur de l'album.